Là ce soir, acclame Jésus fort. Né le toi à voir si que n'a pas où se faire. Waouh! L'Éternel te lève au-dessus de tous tes ennemis. Oh, le corps de Dieu de Tanafuto. Peut-être il y a les gens qui ne comprennent pas bien le chant. Tamino, maman, c'est rien, mais nous.
Il dit, mon Dieu m'a élevé plus haut. Eh ben mon Dieu comme des dix bobo. Il m'a élevé plus haut. Et comme des dix da. Il m'a élevé plus haut. Et comme des dix bobo. Au-dessus de mes ennemis. Et puis son nouveau tame. L'éternel t'élève au-dessus de tes ennemis. Fais des bruits de joie, Jésus, ce soir. Et le corps est dit. Je dis bonsoir au Togo. Mais donc, ben, Togo, toi. Et bonsoir à Sagbato Logoté. Oui, tiens, Sagbato Logoté. Boasikola Yesu, Boasikola Yesu. Acclame Jésus, célèbre Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est la folie ce soir. Dis-lui, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Dis-lui que tout ce qu'on m'a volé, on va récupérer ça tout à l'heure. Même si on m'a volé quoi, je récupère ça aujourd'hui. Lave ta main, dis mon Père et mon Dieu. Je te bénis pour l'occasion que tu me donnes d'être dans ta maison. Quel que soit ce qu'on m'a volé, je le récupère dans le nom souverain de Jésus. Dis Amen trois fois comme le tonnerre. Acclame Jésus. Voici que la Jésus. Ah. Nous donnons la gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au ressuscité. Gloire à celui qui nous a sauvés. À lui la gloire. À lui la puissance. À lui l'honneur. Au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez. Et toi. Quand nous étions au Bénin, le prophète Narcisse m'a dit, papa, si vous ne venez pas aujourd'hui au Togo, c'est que moi-même ne peux pas mettre les pieds là-bas. Jema, 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 Jema. Deluma anna elo baros min sera. Aujourd'hui, tu n'oublieras pas la soirée si dans ta vie. Dieu va toucher ta vie avec son doigt comme ça. Quelle que soit ta maladie, le doigt de Dieu te libère maintenant. Même les personnes malades à la maison seront guéries à cause de ta présence. Si tu crois en ça, donne-moi un Amen comme le tonnerre. Je vous transmets les salutations de ma femme. La prophétesse Momi Shalom Ekane. Oh. Vous voyez. Et quoi? La soif que vous avez ici, Dieu va l'étancher ici. Et tout sorcier qui était derrière ta vie, comme je suis là, il est fini.
Parce que je suis venu avec le mandat de mon patron. Jésus-Christ de Nazareth. Le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui dit non et personne ne peut dire oui. Celui qui ouvre la porte et personne ne peut la fermer. Celui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Celui qui te bénit et personne ne peut te maudire. Celui qui t'élève et personne ne peut te rabaisser. Celui qui t'honore et personne ne peut te mépriser. C'est au nom souverain de Jésus-Christ que je suis au Togo. Et comme je suis venu au Togo, comme mes pieds ont foulé le sol de cette église, ta vie change à jamais. Ta situation change à jamais. Dans le nom souverain de Jésus. Je dis au nom souverain de Jésus. Dis Amen trois fois comme le tonnerre. Acclame pour Jésus. Voici que na Jésus. Je veux dire merci, asseyons-nous un instant. Je veux dire merci à votre pasteur, le prophète Narcisse, mon fils. Papa Narcisse. C'est un brave homme. Que le Seigneur te bénisse. Et continue à servir Jésus dans l'humilité. Dans la loyauté et dans la fidélité. Et l'Éternel, le Dieu de ton père et de ta mère, t'amènera loin. Vous voyez, c'est mon fils. Vous le voyez comme ça. Sa première fille a 15 ans. C'est déjà une jeune dame. John, c'est mon fils et il travaille à l'église, il travaille à la maison. Vous voyez. Vous voyez. Votre maman ici, elle est finie. Parce que papa Narcisse ne joue pas, il travaille à l'église, il travaille à la maison. Que l'Éternel vous bénisse. Elle a dit que mon mari ne peut pas être au Togo, je reste au Cameroun. Avant que je ne le sache, elle était déjà dans l'avion avec les bagages. Depuis qu'elle est venue, mon fils, je ne savais pas qu'il pouvait prendre le poids comme ça un jour. Dis à ton voisin, le mariage c'est bien. Que l'Éternel te bénisse. Dans le nom souverain de Jésus. Dis Amen. Amen. Voilà, mettons-nous debout, nous allons lire. Nous allons lire deux versets de la Bible. Et après ça, nous allons travailler ensemble. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Qui est d'accord? Mais
Jean chapitre 10. Johannes chapitre 10. Verset 9. Bible à chaque. Jean chapitre 10 verset 9. Johannes. Jean chapitre 10 verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Verset 11. Le verset 11, la Bible déclare: Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Assois-toi un instant. Nous allons partager ce moment. C'est la parole de Dieu qui a franchi. Dis à ton voisin, c'est la parole de Dieu qui a franchi. Qui est prêt? I'm happy to see you. Happy to see you. Je suis fier de vous voir. Content de vous voir. Que l'Éternel vous bénisse. Jésus dit ego eimi hotura. Di emu eantis eselte sote setai. Kai eiseleu setai. Kai exeleu setai. Kai nomen euresei. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire: oh, on était nous bien ici, maintenant il est encore venu avec le grec. Tout à l'heure c'était bien, maintenant il s'est oh, kai cross cross kai cross. C'est pour t'aider à comprendre la Bible. Donc Jésus dit ego eimi hetura. C'est le verset 9. Ego eimi hetura. Je suis la porte. Il dit di emu eantis. Et il selte sote setai. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Kai esei leusetai. Kai exeleusetai. Kai nomen euresei. Il entrera, il sortira et il aura de vrais pâturages. Adome ewa togo betamao. Maintenant, je vais expliquer. Dans les deux versets, quelques vérités. Jésus commence par dire, il dit, ego eimi hetura. Moi, je suis la porte. Wow. Moi, je suis la porte. Et Jésus est la porte comment? Quand j'ai lu le passage en grec, ça m'a troublé. Jésus dit, moi, je suis la porte. Ego eimi hetura. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi dans la bergerie, il sera sauvé. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Au verset 1 du chapitre 10, Jésus dit ceci. Amen, amen, lego humin. En vérité, je vous le dis. Komenos diates touras. Si quelqu'un n'entre pas par la porte, Eisten aulen ton probaton. Il dit amen, amen, lego umin. En vérité, je vous le dis. Home eisher komenos diates tura. Eisten aulen ton probaton. Celui qui n'entre pas par la porte dans le royaume des brebis n'est pas le berger. Il dit Allah anabainon à la koten et keinos kleptes, mais qui va grimper ailleurs. Il faut interpréter après moi. Il est un voleur. Kai lestes,
et un braqueur. Maintenant, Jésus dit, si quelqu'un n'entre pas par la porte, dans la bergerie, en grec, bergerie, c'est le royaume des brebis. Si quelqu'un n'entre pas par la porte, mais il va sauter ailleurs, lui, il ne sera pas appelé berger, mais il sera appelé voleur et bandit. Bible, maintenant, ma remède, toi, Guadou, me voit, elle n'y a pas que Dieu, mais là, ou à lui, elle est fia, fille, va que l'Akbonou, là. Donc, pour entrer dans le royaume de Jésus, et s'assoir où tu es assis, il faut passer par la porte. Je voulais vous montrer d'abord cela. Il faut passer, il y a une porte par laquelle on entre pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus nous révèle qu'il y a certaines personnes qui sont dans son royaume, mais qui ne sont pas passées par la porte, mais qui ont escaladé le mur. Mais ils sont aussi dedans. Mais eux, Dieu ne les connaît pas. Maintenant, chacun de nous doit se poser la question. Je suis dans le royaume. Je suis entré par la porte où j'ai sauté le mur. C'est la question que chacun doit se poser. Maintenant, Jésus parle de cela. Et il va revenir. Et il dit, Ego eimi he tura, moi, je suis la porte. Donc, si quelqu'un entre par moi, il sortira, il entrera et il aura de vert pâturage. En grec, le mot vert pâturage veut dire il va manger et se rassasier. Est-ce que vous comprenez? Nous avons faim. Et beaucoup de personnes sont venues ce soir parce qu'elles ont faim. Moi-même, je suis venu parce que j'ai faim. Peut-être tu as mangé un bon couscous avant de venir, mais tu as quand même faim. Peut-être tu as mangé le riz, avec les frites, avec la loco. Ton ventre est plein, mais tu as faim, ton âme a faim. Il y a les gens qui ont faim de la santé. La prière, Seigneur, guéris-moi de cette maladie, donne-moi la santé. Il y a les gens qui ont faim du mariage. Seigneur, les sorciers ont bloqué le mariage dans notre famille, on ne se marie pas. Oh Seigneur, j'ai faim du mariage. D'autres ont faim du succès et de la réussite. Parce que tout ce qu'ils font dans la vie est bloqué. La solution, c'est quoi? Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prophétie. Entre par la porte. Jésus a dit que si quelqu'un entre par moi, il n'aura plus faim dans sa vie. Et je veux que vous compreniez une chose. Au verset 11, Jésus dit, Ego eimi, hopohinen, o kalos, moi, je suis le bon berger. Comment Jésus... Et dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, Ego eimi, he hodos. Moi, je suis le chemin. Comment quelqu'un peut être le chemin? Il a encore la porte. Et il a en même temps le bon berger. Et il dit, Ego eimi, he aleitehia. Moi, je suis la vérité. Et il dit, Ego eimi, he zohe. Moi, je suis la vie. Aïe. Pourquoi Jésus dit Ego eimi, ho pohinen kalon. Moi, je suis le bon berger.
En vérité, beaucoup ne connaissent pas dans l'église que Jésus-Christ est le seul bon berger. Aucun homme de Dieu, aussi puissant qu'il soit, ne peut prétendre être le bon berger. Nous sommes des bergers, mais le berger de ton âme, c'est Jésus-Christ. Le bon berger de ta vie, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des hommes. Jésus nous a choisis parmi vous. Il nous a bénis avec les dons ministériels. Il nous a donné l'onction pour prier pour vous, pour que vos problèmes soient résolus. Mais nous ne sommes pas le bon berger. Lui seul est le bon berger. Lui seul peut te sauver de tes péchés. Lui seul peut te délivrer de la mort et de l'enfer. Aucun homme de Dieu ne peut te donner le salut. Voilà pourquoi Jésus a dit: Ego eimi hetura. Moi je suis la porte. Et dit: si quelqu'un entre par moi, il va sauter ses tailles. Sauter ses tailles veut dire être délivré de l'emprise de Satan, du mal dans toutes les formes. Aucun homme de Dieu ne peut te délivrer du mal. Aucun homme de Dieu ne peut te sauver, aussi puissant qu'il soit. Nous n'opérons pas parce que nous sommes puissants, mais parce que quelqu'un nous a donné sa puissance. C'est lui le bon berger. Vous devez aimer vos pasteurs. Respectez vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs. Ne médisez pas d'eux. Ne les méprisez pas. Respectez-les. Mais ne les adorez pas. Parce qu'il y a un seul qui doit être adoré. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul bon berger. Il y a des personnes qui n'ont pas compris ça. Et nous tombons parfois dans le culte de la personnalité. Certaines personnes prennent le pasteur comme Dieu. Et c'est une idolâtrie. Et certains pasteurs, parce que Dieu leur a donné l'onction, ils se comportent enseignant au peuple qu'ils sont tout puissants, qu'ils ont la solution aux problèmes du peuple. Je ne suis pas la solution à vos problèmes. Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Amen. Je ne peux pas dire que je suis le bon berger. Un seul peut le dire. Et dit: le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a donné sa vie pour toi et pour moi. C'est lui le bon berger. Ouais. J'ai dit que j'allais venir mardi et mercredi. J'ai pas pu venir parce que je ne suis pas le bon berger. Si Jésus disait: je vais venir mardi, mercredi, lui il allait venir. Parce qu'il est le bon berger. Lorsqu'il promet une chose, il l'accomplit. Moi je peux promettre, mais je suis dans l'incapacité d'accomplir. Donc vous pouvez m'aimer, mais ne me déifiez pas. Il y a un seul qui doit être adoré. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus insiste. Il dit: Ego eimi hehodos. Moi, je suis le chemin. C'est pour nous avertir qu'aucun homme de Dieu ne doit faire croire qu'il est le chemin.
Vous ne pouvez pas dire, venez, je vais résoudre vos problèmes. Lorsque vous venez avec vos problèmes, moi aussi je prie à celui qui m'a appelé. Parce que je n'ai aucune valeur devant lui. Je ne suis rien. C'est son œuvre sur la croix qui te rachète. C'est sa mort sur la croix qui va te sauver ce soir. C'est son sacrifice sur la croix qui va te racheter. Le prophète Ekané Ferdinand n'est rien. Il dit, Ego Eimi, He Hodos, moi je suis le chemin. Quel chemin? Le chemin de la connaissance de Dieu. Le chemin qui mène au salut. Le chemin qui t'amènera jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Ou après la mort, tu habiteras avec lui, j'habiterai avec lui dans le palais éternel. Seul Jésus-Christ. Jésus-Christ de cas. Peut écrire ton nom dans le livre de la vie éternelle. C'est lui que chacun de nous doit suivre. Parce qu'il est le chemin. Il dit, Ego Eimi et Aleitehia, moi je suis la vérité. La vérité ne se trouve en personne. En dehors de Jésus-Christ. Vous devrez savoir cela. Adorez Jésus. Aimez Jésus. Il est Dieu. Il est votre Dieu. Il est mon Dieu. Il est le Dieu de ma famille. Qu'il soit aussi le Dieu de ta famille. Oui. Dis, j'aime Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je t'aime. Et je veux te servir tous les jours de ma vie. Remplis mon cœur de ton amour. Il dit, Ego Eimi, Hopoine, Hokalos. Moi, je suis le bon berger. Hopoine, Hokalos. Ten psuken auto. Titesin ou perton probaton. Le bon berger donne son psuken, sa vie, pour ses brebis. Quel pasteur est mort pour vous? Peut-être si on sort la mitraille ici, je vais même fuir avant vous. Le seul vrai, c'est Jésus-Christ. Ce que je veux dire, c'est quoi? N'adorez pas les hommes. Adorez un seul. Votre sauveur, celui qui m'a appelé, qui m'a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi l'Éternel ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée sur ta vie pour l'accomplir. J'adore Jésus-Christ. Adorez aussi Jésus-Christ. Qui aime Jésus? Mais quand elle l'ont Jésus. Si tu aimes Jésus, balance ta main, dis Jésus, je t'aime. Mais l'ont Jésus, vous voyez, c'est que Jésus me l'ont. Dis Jésus, je t'aime. Jésus me l'ont. Est-ce que le Togo aime Jésus? Des Togo l'ont Jésus. Est-ce que tout le monde ici aime Jésus? Ah mais si elle l'ont Jésus le TPA. Qui veut s'engager à servir Jésus jusqu'à sa mort? Mais quand il veut attacher à son bon Jésus, quand il veut beaucoup. Mets-toi debout, mets-toi debout. Cite. Fais cette prière avec moi. Tends la main vers l'autel. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je te donne ma vie ce soir. Quel que soit le péché dans lequel je vivais, je te demande pardon. Je me répands au nom de Jésus. Lave mes péchés. Sanctifie mon âme. Accepte-moi dans ton royaume. Fais de moi un fils du royaume. Écris mon nom dans le livre de la vie. Seigneur, sauve mon âme de cette génération perverse et corrompue.
Que ta sainteté me soit donnée. Que la crainte de ton nom me soit donnée. Afin qu'après ma mort, je vois ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Acclame pour Jésus. Venez vous asseoir. Nos jeunes enfants qui vont réciter. Avancez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jéhovah ne croira ni, n'allez que ma rame. Amen. Est-ce que vous pouvez encourager ces enfants? Répète-je par soi. Jean 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez célébrer Jésus? Bonsoir, peuple de Dieu. Je récite la parole de Dieu dans Proverbe 21 à partir du verset 7 à 17. Là, il est écrit, la violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite le méchant dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une frayeur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Amen. Je ne te vois pas célébrer, Jésus. Je ne te vois pas célébrer. Bonsoir, peuple de Dieu.
Mon verset se trouve dans Jean 14, versets 1 à 6. Là, il est écrit, « Que votre cœur ne se trouve point, croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et nous ne savons où tu vas. Nous ne... Encouragez la foule. Ça va aller. Sois posé. Vous savez où je vais. Seigneur, nous ne... Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'entre... Nul ne vient. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Encouragez. Ce n'est pas facile, hein? Quand vous voyez la foule, si. Amen, oui. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je lis dans Jean, chapitre 11, verset 11 à 16. Là, il est écrit. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus lui répondit, Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit. Alors Jésus leur dit ouvertement. Jésus dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Amen. Amen. Est-ce que tu pouvais célébrer Jésus? Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Mon verset est tiré dans Psaume 146. Je lis au nom de Jésus. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait la terre et les cieux. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez célébrer Jésus? Bonsoir, peuple de Dieu. Mon verset est tiré dans 1 Corinthiens, chapitre 3, du 15e verset au 23e verset. Je lis au nom de Jésus. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée,
il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez célébrer Jésus? Évangile selon Jean, Jean 11, versets 1 à 10. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 10 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez célébrer Jésus? 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la gloire de la volonté de Dieu en Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Amen. Célébrez Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Selon l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 28 à 32, je lis au nom de Jésus. Il aurait reçu dans ses bras. Bénis Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, quand mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Selon l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 31 à 34, je lis au nom de Jésus. Et j'ai vu Jean témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec ses disciples et ayant regardé Jésus passer, dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'attendirent prononcer ses paroles suivies Jésus. Jean chapitre 2, verset 1 à 4. 3 jours après, il annonce à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité avec ses disciples et le vin ayant manqué, la mère de Jésus le dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez célébrer Jésus? Je ne vous suis pas, je ne vous entends pas célébrer Jésus. Mais le corps semble le Yeshua Kafumo. Acclamons Jésus pour ses enfants. Voici que na Yeshua le Yoba Beta. Félicitations. Bravo. Tous ceux qui récitent la Bible sont mes amis. Parce que moi-même, je suis un réciteur de la Bible. C'est une passion.
Et c'est le but de notre ministère. Enseigner la parole de Jésus. Inculquer les saintes écritures dans nos enfants. Pour que quand ils seront grands, ils ne s'en détournent pas. Qui est prêt? Lève la main vers le ciel. Commence à demander à Dieu ce que tu veux ce soir. Demande à Jésus ce que tu veux. Père, je prie que ta gloire descende au milieu de nous ce soir. Amen. Beaucoup de personnes ont voyagé de loin pour ce programme. Seigneur, exauce leur prière. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Vous ne dites pas amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu verra, mi me le verra. Dieu verra, mi me le verra. Et Dieu verra, mi me le verra. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Le grand je suis. Tana, tana. Le rocher des âges. Oh, 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 oh. L'Éternel est Dieu. Le grand je suis, le rocher des âges. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Je vais te voir, prospéra, Jérémy. Espera mi mole di dinaro, ma la u minora buni, minora albana, sorel. Jevaro, tana tana. Jevaro, tana tana. Jevera mi mora albana, suru mi lotel. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et grand je suis. Tana, tana. Le rocher des âges. Oh, 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 oh. Attendez. En rapport, j'avais Monique, 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 hein? Quel rapport avec Monique, 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 c'est qui? Ma maman. Hein? Ma maman. Votre maman c'est Monique? Oui. D'accord. Ici papa. Quel rapport avec Yaya? Yaya. Comme Yaya, Yaya, Yaya. Le protocole maître. Yaya. Vous, venez. Yaya, c'est qui? Hein? Patron. On l'appelle comment? Yaya, Yaya. Yaya, d'accord, attendez. Yo. Votre mère, c'est Monique? Oui. Hein? Oui. Votre mère, c'est Monique? Oui. Ici, papa. Oui, oh. Papa. Votre mère, c'est Monique? Oui.
Zoom anna ou labana senaro medo garus. Venez, madame. Vous venez. Somira inna elo banas. Toute porte fermée s'ouvre dans ta vie ce soir. Amen! Vous. Chut, arrêtez-vous. On s'est déjà croisé peut-être quelque part. Non, pas vous me connaissez? Non. Physiquement? Non. Hein? C'est votre 40e fois de venir ici? Non. C'est votre 40e fois de venir? C'est la 40e fois que vous venez ici. Je suis invité par ma cousine. Votre cousine vous a invité? Oui. D'accord. Donc c'est votre première fois? Oui. C'est ma deuxième fois. J'étais dans le programme la fois passée. La fois passée, vous étiez ici? Je suis revenu aussi. Vous êtes membre de l'église ici non, où vous non, venez? Non, non. Vous venez juste. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Christ manta inna elo barus inna creso. Surapi inna barus. Clemade inna hello. Je vous ai vu dans le règne de l'esprit. Et votre vie, c'est la souffrance. Une malédiction depuis votre naissance qui était sur votre mère, Monique. La même malédiction est sur vous. Et je vous ai vu dans le règne de l'esprit un matin. Vous vous êtes levé, il était 7h30. Quand vous vous êtes levé le matin, vous avez trouvé qu'il y avait des choses qui sont sorties sur votre corps. Oui, papa. Partout sur le corps. Papa, oui. Mais à la veille, il n'y avait pas ça. Oh. Le matin à 7h30, vous avez vu votre corps, vous avez vu ces choses. Oui. Créma inna eromanta. Yes. Jesus. Votre corps a commencé à démanger. Oui. Et ça démangeait, vous grattiez, vous grattiez. Oui. Dans votre maison, vous êtes sorti de la maison. Le jour suivant, vous êtes monté. Il y a une boutique en haut, à l'entrée de votre maison. Vous êtes entré dans la boutique. Oui. Vous avez acheté la vaseline. Oui. La vaseline. Oui. Vous avez commencé à frotter ça. Oui. Can I talk to you? Yes. Jesus. Yes. Jesus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Tout. Après ça, je vous ai vu comme dans un hôpital. C'est comme, ce n'est pas un grand hôpital, mais c'est comme une clinique, comme un centre de santé. Vous êtes allé là-bas. Et le centre de santé, si on appelle ça Jiré, Jiré. C'est un chrétien qui a ça. Yes. Jiré. Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Vous êtes allé à la clinique Jiré. Lorsque vous êtes entré, vous êtes allé, on vous a pris le sang. Oui. On a fait les examens. Oui. On vous a dit de partir. Oui. Trois jours après, vous êtes revenu. Oui. C'était un mercredi à 11h. Oui. On vous a remis les examens sur un bout de papier. Oui. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Et quand vous avez pris le bout de papier, oui. vous avez pleuré, oui. vous avez crié, oui. votre test du VIH était positif. Yes. 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 Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Yes. Qui est prêt? Tout, papa. Yes. Yes. Tout problème dans ta vie est résolu ce soir. Oui. Tout démon qui bloquait ta vie, le feu le chasse. Amen. Comme cette femme sera guérie ce soir, tu reçois ta guérison au nom Amen. De Jésus. Tu reçois ton miracle Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tout sorcier derrière ta vie ne verra pas demain matin. Amen. Toute malédiction dans ta vie est changée en bénédiction. Amen. La femme suit. Le Dieu des cieux qui m'a appelé va manifester sa grâce dans sa vie. Aidez-la. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Yes. Il est le bon berger. Yes. Il est le chemin. Yes. Il est la vérité. Yes. Il est la vie. Yes. Il est la résurrection. Yes. Balance ta main, dit Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection. Amen. Est-ce que vous croyez que cette femme, Jésus peut la guérir? Yeah!
tout. Oui, papa. Femme, est-ce que vous croyez? Oui, monsieur. Jésus a dit Ego Eimi et Anastasis, Kai et Zoé. Au pichon, et mette à potane et zetai. Moi, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il était mort, il va revenir à la vie. Regardez, avant de prier sur vous, vous aviez une de vos sœurs qui avait aussi le VIH, qui est morte, qu'on appelait Rachel. Rachel. Et vous avez une sœur maintenant qu'on appelle Florence. Elle aussi, elle est séropositive. Et Dieu m'a dit que comme je prie sur vous, Dieu vous guérit et Florence va aussi guérir. Amen. Yes. 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 Hein? Qui viennent? Ma fille aussi est là-bas. Venez, ses enfants sont où? Mais qui viennent? Vite. Et bien, on y va. Ton cas sera résolu ce soir. Amen. Ton cas sera résolu ce soir. Amen. Dis rien d'impossible au nom de Jésus. Prépare la puissance que tu as mise dans cette bouteille d'huile de faveur. Démon de VIH, va-t'en et ne reviens plus jamais. Homme, femme, je te proclame guéri au nom de Jésus. Amen. Le fruit. In Jesus' name. Amen. Reçois aussi ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Toute maladie dans ton corps disparaît. Dans le nom de Jésus. Vous avez les trompes bouchées depuis quand? Depuis 2015. Hein? L'an 2015. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Venez, venez. Jésus va déboucher votre trompe maintenant. Yes! Cela vous dit de vous dire. Yes! Jesus! Vous, écoutez. Yaya, c'est votre patron? Mon patron. Hein? Ouais, ouais. Vous travaillez avec lui? Ouais, ouais. Vous entrez travailler avec lui? Ouais, ouais. Hein? Ouais, ouais. Vous travaillez dans quoi? Je conduis le camion. Hein? Je conduis le camion. Vous conduisez le camion? Ouais, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Hein. Jésus veut vous sauver. Amen, amen, amen. Hein? Amen. Jésus, j'ai dit quoi? Jésus veut. Veut me sauver. Voilà. Amen. Amen. Nos amis Anna Ero Baruka Unelo, Min Alous, Min Shorai. Quand je vous vois, ouais, votre vie, les problèmes. Amen. Et vous êtes venu ce soir parce que vous voulez que Dieu vous délivre. Amen. Hein? Amen. Votre femme est où? Elle est partie. Elle est partie. Il n'y a plus de travail. Ça va. Vous voyez les problèmes. Parce que je l'ai vu avec papa. Problème, problème, problème. Et la maladie que vous avez, monsieur, ça, on cherche à en finir avec vous. Hein? J'ai vu Moussa et j'ai vu quelqu'un à côté de lui. J'ai vu Yaya. Avec quelqu'un comme Moussa à côté de lui. C'est comme, je ne sais pas si c'est un frère. C'est, ou c'est un frère, c'est un, hein, frère. C'est un frère à lui. C'est un frère. Hein? C'est un frère. Lui aussi conduit le camion. Ah, oh ouais. Vous conduisez en ça. Ah, ouais. Canaille, professeur. Ton étoile brille, ton étoile brille, ton étoile brille. Recevez. Amen. Amen. Yes. Yes. À l'heure où je suis en train de vous parler, j'ai vu Moussa comme je vous parle, ouais, ouais, avec Yaya en train de causer aujourd'hui. Depuis 16 heures, Moussa est allé chez Yaya pour lui parler de vous. Parce qu'il, ouais, ne vous aime pas. Ouais, ouais. Et il est en train de demander à votre patron de vous chasser. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Yes. Il m'a chassé. Yes. Yes. Le problème ce n'est pas Yaya, le problème ce n'est pas Moussa, le problème ce n'est même pas votre femme qui est partie, le problème c'est cet esprit qui est derrière vous, qui vient voler chaque bénédiction que vous recevez.
Jesus. Jésus m'a dit de prier pour vous. Amen. De prier pour chasser ce démon. Et si le démon s'y part, les plans de Moussa contre vous vont retourner sur lui-même. C'est lui qu'on va chasser. Amen. 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 Yes. Amen. Yes. Yes. In hello. Yes. Yes. Parce que Moussa, vous, Yaya vous aime, il vous aime. Très parce bien, que vous, très travaillez, bien. Vous travaillez bien. Ça fait 8 ans. Mais il y a un jeune homme qu'on avait recruté, qu'on appelait Patrick. Le jeune homme est venu dans votre société, il a fait 2 semaines. On l'a chassé. Vous savez ça? Ouais, ouais. On l'a chassé, Patrick. Ouais, ouais. Vous savez pourquoi on l'a chassé? Non, non. Moussa était allé faire la même chose sur Patrick qu'il est en train de faire sur vous. Merci Dieu, merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Parce que Patrick, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de gentil, de simple. Et il a même noué d'amitié avec vous. Quand il venait le matin, parfois vous restiez, vous causiez. Parfois il vient, il a le pain, il vous partage, vous mangez ensemble. Mais Moussa est allé voir son frère Yaya pour lui dire que Patrick n'était pas un bon garçon, etc. Du jour au lendemain, Patrick a été renvoyé. Ouais. Maintenant, c'est vous qu'on veut renvoyer. Mais Dieu me dit de vous délivrer. Amen. Comme je prie. Amen. Moussa sera renvoyé par son propre frère. Amen. Jesus. Écoutez-moi bien. Chaque personne dans cette salle, s'il y a quelqu'un qui conspire contre toi, non, mais le type, avant lundi matin, caca, la personne, sa conspiration retourne sur elle-même. Yes! 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 Amen. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Quelqu'un prend ton nom, il part avec chez le marabout. Pour bloquer ta vie. C'est sa propre vie qu'il va bloquer. Amen. Amen. Jésus. Je couvre ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Je couvre tes affaires dans le sang de Jésus. Je couvre ta famille dans le sang de Jésus. Je couvre tes enfants dans le sang de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Yes. Maintenant, comme je prie pour vous, hein? Quand je prie pour vous, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous sur le plan sentimental? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux récupérer mon camion. Hein? Non, laissez, sur le plan travail, Dieu va faire ça. J'ai dit sentimental. Le côté amour. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Oh, je ne le veux pas encore. Hein? Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Non, 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 non. Quand vous dites que je ne veux pas, il y a les soeurs ici que vous frustrez. Voilà un homme qui ne veut pas la femme. Hein? Voici un homme qui ne veut pas la femme. Elle m'a beaucoup ruiné. Je sais. Laissez, vous allez voir. Dès qu'il sera délivré là, il va prendre une. Peut-être c'est toi. Yes. Regardez. Il y a eu un problème de téléviseur à la maison chez vous. Hein? Il y a un téléviseur qui a disparu à la maison chez vous. Quand vous étiez avec la dame, il y a un téléviseur qui avait disparu. Mais le téléviseur, si on ne l'avait pas volé, c'est elle qui l'avait vendu. Non, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Oui, c'est elle qui avait vendu le téléviseur. Et c'était son habitude. C'était son habitude. Dès qu'il y a l'argent. Où il y a l'entente, l'argent finit, c'est les problèmes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes frustré. Il y a une femme, la femme là, hein, elle va vous aimer jusqu'à. Il y a une femme. Il y a une femme que Dieu m'a montrée pour vous. Amen. Parce que Dieu va vous restaurer complètement. Amen. Complètement. Amen. Amen. Il y a une femme. Amen. Oh, je cherche la femme-ci. Je lui ai dit non, moi.
Rachel, c'est qui? Rachel. Rachel est où? Rachel. Ici. Elle est où? Rachel. C'est ma daddy. Rachel, Rachel. Rachel, attendez, Rachel. Ici, qui est en rapport avec Anou? Anou. 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 Agnès. Ah? Agnès. 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 Elle est où? C'est ma belle-sœur. Elle est où? Elle est à Lomé. Hein? Elle est à Lomé ici. Elle est à Lomé. Jésus vous aime. Et Amen. Daddy. Hein? J'ai dit quoi? Jésus même. Hein? Jésus même. Vous saviez que Jésus vous aime? Oui, est-ce que vous saviez que Jésus vous aime? Oui, papa. D'accord, je reviens. La femme que j'ai vue ici, Dieu est en train de la mener. Elle va vous aimer pas pour l'argent. Amen. Elle va vous chouchouter. Amen. Elle sera votre amie. Amen. Elle sera votre maman. Amen. Elle sera votre femme. Amen. Elle sera votre confidente. Amen. In Jesus name. In the name of Jesus. Mettez-le debout. Mettez-le debout. Be free. In Jesus name. In the name of Jesus. Laissez-le. Père, il est guéri. Maintenant, il est guéri. Les plans de ses ennemis retournent dans leur camp. Dans le nom souverain de Jésus. Maintenant, c'est votre mari. Hein? C'est qui ça? C'est ma fiancée. Hein? C'est ma fiancée. Vous n'êtes pas encore marié? Non. Vous mangez déjà la nourriture des grands? Oui. Oui, hein? Tu n'as même pas honte de dire oui. Tu vas l'épouser quand? Nous sommes en préparation. Hein? Nous sommes en préparation. Vous êtes en préparation. Oui. Félicitations. Maintenant, je vais prier pour vous. Jésus-Christ est vrai. Amen. Vous voulez... Hey, arrêtez ça. Parce qu'il y a une guerre entre vous. Oh, la fille, le garçon, la fille, le garçon, la fille, le garçon, la fille, le garçon. Vous voulez une fille, lui veut un garçon. Maintenant, je vais faire comment? Je commande le garçon ou la fille? Divorce. Divorce. Qu'est-ce qu'on commence? Divorce. Regardez. Bon. Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon nom, je le ferai. Oh. Ce n'est pas moi qui donne, c'est Jésus dont il a beaucoup. Si elle veut même quoi, on va prier. Aujourd'hui, tout ce qu'on va demander, Dieu va nous donner. Amen. Vous voulez quoi? Je veux l'enfant. Vous voulez... Quoi, garçon, fille, commandez. Faites vite, il y a je beaucoup veux deux de gens. Garçons, deux filles. Oh. Hein? Je veux deux garçons, deux filles. Vous voulez deux garçons, deux filles? En un seul? Oh. Oui, papa. Vous voulez quatre en un seul? Oui, papa. La femme, si. Est-ce qu'elle peut supporter quatre en même temps? Vous êtes d'accord? Elle demande quatre enfants. Le même jour que Dieu mette 1, 2, 3, 4. Jesus. Elle va supporter. 2. Vous voulez 2? Oui. Bon, il dit 2, je fais comment? Non, ça veut dire qu'il dit 2 après 2, c'est ça? Oui. Oui. Hein? Oui. Regarde, lui-même n'a pas su. Donnez la main. Au nom souverain de Jésus. Que cette prière soit exaucée. Débouchez-vous au nom de Jésus. J'ordonne à votre homme de se déboucher maintenant dans le nom puissant de Jésus. Laissez-la se boucher.
in Jesus' name. Mes frères, mariez-vous et ayez des enfants au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie. Ça se manifeste comment? Elle m'a raconté qu'elle a pris tout mon commerce. Qui vous a mis dans la sorcellerie? Saint Dieu. Hein? Saint Dieu. Il s'appelle comment le vieux? Je ne connais pas son nom. Et il vous a mis comment? Elle m'a croisé sur la rue. Hein? Elle m'a croisé sur la rue, elle m'a donné. Elle t'a croisé en route, elle t'a donné la sorcellerie. Tu as payé pour qu'elle te donne ou c'est gratuit? C'est gratuit. Elle a de gratuit. Et quand vous sortez la nuit, vous faites comment? On mange la viande des hommes. Hein? On mange les hommes. Vous mangez les hommes. Et vous les tuez comment? Je ne sais pas comment elle tue. Tu ne sais pas, tu sais seulement comment on mange. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie de la femme-ci? Ça, c'est qui pour toi? Ma tante. Hein? Ma tante. Qu'est-ce que vous avez fait? On a pris son marché. Hein? On a pris son marché. Son marché, elle est où? Où est sa tante là? C'est qui? Venez, venez. Mettez-vous ici. Vite, vite, vite. Yes! Vous avez pris son marché comment? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Parlez fort, mettez-moi le volume là-bas. Oui. Celui qui m'a donné la sorcellerie, c'est lui qui a pris. Qui allait prendre pour donner à celui-là? C'est lui-même qui a pris. Hein? C'est lui-même. Toi, tu as fait quoi? Rien. Toi, tu n'as rien fait. Tu me connais? Oui. Tu m'as déjà vu? Oui. Tu as entendu parler de moi? Hein? Oui. Qui t'a parlé de moi? C'est ma maman. Elle t'a dit quoi? Que vous délivrez les gens. Hein? Que vous délivrez les gens. Que je délivre les gens. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la sorcellerie? Vous sortez, vous faites quoi? On tue les gens. Vous les tuez comment? On mange les habits des gens. Hein? On mange les habits des gens. Vous mangez les habits des gens. Pourquoi? Quand vous mangez les habits là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mangez l'habit de quelqu'un? Quand elle porte ça là, elle va mourir. Quand vous mangez l'habit de quelqu'un, il va mourir. Et vous mangez encore quoi? C'est fini. C'est fini, hein? Qu'est-ce que vous avez fait dans sa vie? On a pris son marché. Son marché? Vous avez pris sa partie ou avec? C'est lui qui a pris, je ne sais pas comment elle va faire. C'est pour faire quoi? Quand vous prenez le marché, c'est pour que... Qu'est-ce qui se passe? Que les gens ne viennent plus payer. Maintenant, dans vos affaires, est-ce que vous avez des problèmes? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Depuis son arrivée, rien ne va pas. J'achète des boissons, la manger, tout ce qu'on vend. Rien. Et tout ça, ça finit de jour en jour. Jusqu'à alors là, je suis à plat. Hein? Alors là, je suis à plat, je n'ai rien. Et je l'ai demandé, qu'est-ce que tu me fais? J'observe que depuis ton arrivée, les 2 ans que tu as fait avec moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Elle me dit que non. Ok, elle demande au sorcier que je t'ai fait quoi de mal? Est-ce que le sorcier a besoin que tu lui fasses quelque chose de mal? Vous les bergers, non? Hein? Vous les bergers. Hein? Elle habite chez vous? Oui, elle est avec moi. Mon français est difficile. Vous l'hébergez, n'est-ce pas? Ça dit que vous l'avez accueillie chez vous. Oui. Maintenant, elle a bloqué votre commerce. Et elle habite chez vous. Vous la nourrissez, n'est-ce pas? Vraiment. Vous lui achetez les habits. Vraiment. Jain Kavura Anasparos. Vous voulez abandonner la sorcellerie? Hein? Non. Vous ne voulez pas abandonner? Vous avez suivi la question. Vous voulez abandonner la sorcellerie? Oui. Hein? Oui. Pourquoi? C'est pas bon. C'est pas bon pourquoi?
Parce qu'on tue les gens. Vous tuez les gens. Bon. Maman, oui. Vous croyez en Jésus? Je le crois vraiment. Hein? Je crois en lui. Il est venu pour nous sauver, pour nous racheter, oui. pour nous délivrer, oui. pour nous restaurer. Amen. Hein? Amen. Jésus va vous restaurer. Merci, papa. Daddy. Même si on vous a fait quoi? Heureusement que vous êtes venu ce soir. Vous habitez avec un homme à la maison? Je suis avec elle à la maison. Non, vous habitez avec un homme. Non. Mettez-vous debout. Ça, c'est pas le premier sorcier qui est envoyé contre vous. C'est pas le premier. Hein? C'est pas le premier. Parce que vous, je vous ai vu avec un homme comme marié. Oui. Après, je vous ai vu séparé. Oui. Hein? Vraiment. Et il y a eu les problèmes. Vraiment. Tapez sur vous. Vraiment. Et vous avez fui. Oui, vraiment. Il vous a blessé un jour au front ici. Oui. La séparation a été due à la sorcellerie. La femme, si on lui a tout volé, on lui a tout pris. On est allé jusqu'à vendre vos entrailles. Alors je parle, vous ne pouvez pas accoucher. Alors je vous parle maintenant. Mais Jésus va vous délivrer. Amen. Je vous connais. Non, hein? Non. Je vous raconte juste ça pour vous délivrer. Je veux prier. Jésus-Christ va vous délivrer. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. Leur ami Anna et Roman Sari Anna et Rostoko. Sumrumi wa inutrus. Le matelas sur lequel la fille dort. Hein? Oui. C'est un matelas. Il y a comme un matelas. C'est comme un matelas. J'ai vu un. Hein? Un vieux. Drap. Hein? Oui. Elle est couchée au sol. Oui, hein? Oui, au sol. Dis mon Père et mon Dieu. Père et mon Dieu. Tout méchant caché dans ma vie. Tout méchant caché dans ma vie. Qu'il soit exposé, dans le nom souverain de Jésus. Qu'il soit exposé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutez, elle est couchée au sol ou sur un matelas. C'est sur contre-sol. Hein? Contre-sol. Contre-sol. Oui. Elle est couchée contre-sol. Oui. D'accord. Vous avez déjà eu un matelas, mais qui a disparu, quelque chose comme ça. Un matelas que vous aviez, mais que vous n'avez plus. Parce qu'on a deux lieux, j'ai fait l'autre partie dans la maison et je les ai laissés dans le bar. Donc j'ai un bar. Oui. Il se loge. Attendez. Il y a un matelas que vous aviez, qu'on a volé dans la sorcellerie. Hein? C'est ce que Dieu me montre, sincèrement. Et ce que je dis ici est vrai. Vous aviez un matelas. C'était un matelas d'une place. Et le matelas-ci était. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Le matelas-ci a disparu. C'est vrai, c'est vrai. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Les gens ne sont pas prêts. Vous n'êtes yes. pas prêts. Jesus. Yes. Il y a une malédiction devant votre porte. Il y a une malédiction devant votre porte. Alors je vous parle. Vous avez l'huile de faveur? Non, c'est fini. Je l'ai jeté, c'est fini. Et vous n'avez pas lu de faveur aujourd'hui? Non, aujourd'hui. Vous n'avez pas pris votre bouteille, pourquoi? Je n'avais pas de moyens. Je n'avais rien, je n'ai plus rien. Vous n'avez plus rien.
Donne-moi ma bouteille d'huile de faveur. Donne. Prenez. Yes! Jesus! Je vais prier pour vous. Dieu va vous délivrer. Je vais prier pour elle. Je vais prier et Dieu va la restaurer. Amen. Écoutez, je prie pour vous. Si vous essayez encore de sortir, l'ange va vous couper la tête. Moi, je ne ris pas avec les sorciers. Vous comprenez? Oui. Vous dites que vous, c'est qui Anor? Anor, c'est qui Anor? Je ne connais pas. Tu ne connais pas? Tu ne comprends pas Anor, hein? Non. Tu ne comprends pas quelqu'un qu'on appelle Anor, Anor. Hmm. Ton patron dans la sorcellerie, on l'appelle Anor. J'ai vu Anor avec Akon, ou c'est Akon? Oui. Akon. Hein? Famille. Ton nom c'est quoi? Akon. Akon. J'ai vu Anor avec Akon. Jesus! Jesus! Donnez la main. Père, au nom de Jésus, par la vertu de cette huile de faveur, cette femme est délivrée aujourd'hui. Amen. Sa vie est libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Be free. In Jesus' name. Be free. In the name of Jesus. Go. Go. Esprit de sorcellerie, va-t'en. Sors. Laissez-la. Go. Go, go. In Jesus' name. Be free in the name of Jesus. Père, que ton feu la consume de la tête jusqu'aux pieds. Que le démon de sorcellerie soit lié et expulsé dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. You are free. You are free. Amen. In the name of Jesus. Amen. Madame, vous êtes libre. Ok, on va prier pour les malades rapidement. Vite, 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 vite. Le protocole va nous aider. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges. S'il vous plaît, si vous n'avez pas le papier des malades, ne venez pas, je ne veux pas vous toucher. Je prie pour ceux qui sont inscrits comme malades. Laissez-moi prendre soin des malades, s'il vous plaît. Amen. Si vous n'êtes pas parmi les malades, asseyez-vous. Pour vous, on va prier après. Laissez-moi prier pour les malades. Je veux prier pour le reste après. Faites un rang en haut, là-bas, jusqu'en bas. Je veux commencer en bas. C'est... Chaque jour la vie m'a
si bon de louer son nom. Tu sentais tellement de grâce sur ses mots, de proclamer sa fidélité. Ça toujours infiniment. C'est bon. Je suis bon.
chanter ses louanges à son Seigneur, de proclamer sa fidélité. Chaque jour à dimanche, c'est si bon, c'est si bon. De sorcellerie qui bloquait ma vie est renversé au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'on a fait dans ma vie, ça retourne dans le camp de l'expéditeur au nom souverain de Jésus. Lève les photos, lève ta photo, lève ta photo, lève ta photo. Chaque personne sur cette photo reçoit son miracle maintenant. Amen. Qu'elle soit au Togo ou hors du Togo, je déclare le miracle au nom puissant de Jésus. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Si vous avez quelqu'un malade, après le programme, appelez la personne. Demandez-lui à quelle heure tu as été guéri. Amen. Je veux que chacun regarde. Il est quelle heure? C'est 19h40, 20h40 ou quoi? 19h40. Hein? C'est 10. Hein? Il est quelle heure? 19h40. Notez l'heure-ci. Lève la photo, lève la photo. Si tu as un problème, n'importe où, lève la main. J'ordonne que le miracle te touche où tu es maintenant. Amen. Que ton miracle s'accomplisse maintenant. Amen. Que ton miracle soit libéré au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ton problème, il est résolu au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'il est résolu au nom de Jésus. Amen. Il est résolu au nom de Jésus. Amen. Ton dossier est béni. Lève-moi les dossiers. Lève ton dossier, ton passeport. Lève le dossier, lève le dossier, lève le dossier. Je bénis ton dossier. Amen. Je bénis ton passeport. Amen. Tout projet de voyage, je le bénis au nom de Jésus. Amen. La main de tes ennemis est retranchée de ta vie. Amen. Personne ne peut plus te maltraiter. Amen. Personne ne peut plus te bloquer. Amen. Tout esprit de blocage sort de ta vie maintenant. Amen. Il sort au nom de Jésus. Amen. Il sort. 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 Amen. Toute personne dans cette salle
dont l'argent est bloqué quelque part. Amen. Avant la fin de cette semaine, on t'appellera. Amen. Ton argent sera libéré au nom de Jésus. Amen. Ton argent sera libéré au nom de Jésus. Amen. Ton argent sera libéré au nom de Jésus. Amen. Ton argent sera libéré au nom de Jésus. Amen. Ton cas sera résolu au nom puissant de Jésus. Amen. Dis mon Père et mon Dieu. Mon cas est résolu. Dans le nom puissant de Jésus. Tout démon dans ma vie qui a pour mission de me rendre malade ou de bloquer ma vie, ce démon sort par le feu. Je veux entendre quelqu'un dire sort. 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 Au nom puissant de Jésus. Dis amen sept fois comme le tonnerre. Amen. 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 Amen, 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 amen. Acclame pour ta délivrance, acclame pour ta délivrance. Prends ta bouteille d'huile de faveur, prends ta bouteille d'huile de faveur. Njevara mi moleve jero zaro. Prospera mi moledo llevaro, llevarame. Y llera mi zaruma, zaruma mu. Espera mi zaramo, zaramo. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Est-ce que tu es sauvé ce soir? Ouais. Je te vois béni, 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 béni. Garumo, garumo, espera mi jarame, jarame, alleluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni, alleluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni, alleluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? On fait souvent les soins. Est-ce qu'on peut faire des bruits à Jésus ce soir? Applause, applause, célèbre Jésus. Lève ta bouteille d'huile de faveur. Lève ta bouteille d'huile de faveur. Dis mon Père et mon Dieu. Je reçois cette huile dans ta présence.
et je récupère tout ce que le diable m'avait volé. Après ce programme, je ne suis plus la même personne. Au nom souverain de Jésus, mets sur ta main droite. Et tu mets sur ton front. Père, comme cette onction est sur nous, nous sommes plus que vainqueurs. Les portes fermées sont ouvertes. Amen. Quand tu dis Amen, les portes s'ouvrent immédiatement. Amen. Toutes les maladies qu'il y avait dans nos corps disparaissent. Amen. Les opportunités de bénédiction se multiplient devant nous. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Jésus-Christ est ma bénédiction. Je suis sauvé. Jésus-Christ est mon sauveur. Je suis saint. Jésus-Christ m'a sanctifié. Je suis riche. Jésus-Christ est ma richesse. Qu'il en soit ainsi. Et que cela soit écrit. Dans le nom souverain de Jésus. Dis Amen trois fois comme le tonnerre. Amen. Amen. Que la main de mon Dieu soit sur vous. Le prophète Narcisse va prier sur l'eau tout à l'heure. La semaine qui commence demain, vous saurez que Dieu nous a exaucés ici. Attendez. La nuit ici, beaucoup de vous vont voir les anges dans leurs rêves. À partir de lundi, il y a les gens qui vont vous voir et ils fuient devant vous. Vous les voyez physiquement. Vous allez partir à l'hôpital. Le docteur va dire: où est le sida qui était ici, mais le cancer est là. Que le Dieu qui m'a appelé marche devant vous. Qu'il marche derrière vous. Qu'il marche à votre gauche. Qu'il marche à votre droite. Au nom souverain de Jésus. I love you. Shalom. Amen. Comment avez-vous trouvé le programme de ce soir? Sans mentir, c'est très magnifique. Et remercions Dieu pour cette soirée. Et nous souhaitons que ce soit continuel pour que les âmes viennent au Seigneur. Je vous remercie. Qu'est-ce qui vous a marqué ce soir? Oh bon, ce qui m'a marqué est tout d'abord le message. Le message m'a vraiment marqué. Et de plus, les prophéties. C'est très exigeant. C'est très bon. Très, très bon. Je veux juste remercier le Seigneur parce que je ne m'attendais pas à cette onction. Nous avons attendu papa depuis longtemps. On a prié pour qu'il arrive. Donc, je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, on l'a vu et réellement, il a pris soin de nous. Que Dieu le bénisse. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement ce soir? C'est le message qu'il a accordé, le message de délivrance. J'ai vu que vraiment Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la porte. Et c'est ce message qui m'a marqué. J'ai eu plusieurs portes dans ma vie. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, que Jésus-Christ est la seule porte. Et c'est par lui que je peux passer pour réussir dans ma vie. Qu'est-ce que vous disiez, vous allez dire à quelqu'un qui nous suit sur Jésus? Celui qui nous suit, je lui dis de venir à Réma pour avoir la bonne parole. La bonne parole qui délivre. Car le Seigneur nous a envoyé un prophète qui donne des oracles et quand il enseigne, les cœurs sont délivrés. Je l'ai trouvé parfaitement bien. Et vraiment, je bénis le nom de l'Éternel parce que
on a eu vraiment des miracles où nous-mêmes on s'attendait d'abord, parce qu'on savait que l'homme de Dieu, un homme loin comme lui, ne pouvait pas venir à ce programme et repartir comme il est venu. On savait qu'on devrait avoir nos miracles chacun. Et je sais une chose, c'est que Dieu a béni chacun de nous et j'ai trouvé ce programme superbement béni. Et vraiment, nous rendons toute la gloire et l'honneur à l'Éternel. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui nous suit actuellement sur Isoui Chadet? Ce que je peux dire, c'est qu'ils viennent à Rema Ministry Mission parce que la puissance de Dieu est ici. Parce que chaque jour, nous voyons les miracles que l'Éternel fait. Nous voyons les bienfaits de l'Éternel dans ce ministère. Et j'invite tous ceux qui sont encore malades, qui sont réticents à venir vraiment au programme de ce ministère qui est Rema Ministry Mission, je les invite tous à venir découvrir la puissance de Dieu dans ce ministère et au travers de son homme qui est loin, véritablement et puissamment loin. Donc j'invite vraiment toutes ces personnes, tous ces frères, ces sœurs qui souffrent encore, qui ont encore des problèmes, des difficultés, à venir vraiment voir la puissance de Dieu, découvrir encore la puissance de Dieu, que Dieu est le même, l'Éternel n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa puissance est la même chose. Coucou, en fait, tiens, coucou à Zoé Chanel. Là, je vois que c'est ma chaîne préférée et je suis beaucoup les programmes du prophète Ekané. Et ça me va vraiment droit au cœur avec les miracles qui s'opèrent de la télé à là en temps normal. Donc c'est juste un petit coucou. Est-ce que tu as déjà reçu quelque chose à travers Zoé Chanel? Oui, j'avais des problèmes de gorge et souvent quand il fait ses programmes, il dit de mettre la main sur l'écran et on reçoit le miracle. Donc je l'ai fait une fois et j'ai vu que jusqu'à présent, je ne sens plus la douleur. Qu'est-ce que tu dis à Jésus? Je dis à Jésus merci beaucoup, un grand merci à Jésus. Parce que grâce à lui et grâce à la puissance qu'il donne à travers son fils pour nous dispenser, je dis vraiment merci.